soir. Je peux pas partager. Bonsoir, bonsoir. En attendant, je vais danser un peu. Moi, je peux pas partager. Vous savez, on m'a bloqué dans tous les groupes. Donc, quand je partage, ça me dit, vous avez déjà partagé assez. Donc, si vous ne partagez pas, c'est pas grave. Si vous partagez, c'est bien. Mais moi, je peux pas partager. D'accord? Merci. La mer, quelques mouettes, une digue, derrière l'autre. Je partagerai après avec un autre compte. Parce qu'il ne s'agit pas d'une simple digue dans la mer, c'est... Vous savez, Facebook, c'est grave, hein? On vous bloque partout. Verrou jaune, mon Cameroun à moi est là. C'est pas possible, il est là, mon Cameroun. Bonsoir à tout le monde. Waouh, tu es forte. Moi, quand je m'attache, il suffit que je vois le nom de quelqu'un qui vient beaucoup sur ma page. Et si je m'attache juste le nom de la personne, je vais entrer dans son esprit. C'est juste un petit mot. C'est comme ça que je sais qu'il est du Sud. En plus, je ne suis même pas encore allée sur sa page. En plus, il a un faux profil.
Bonsoir à tous ces gens qui sont là. Vraiment, bonsoir. Aujourd'hui, je vais parler à mon président élu Maurice Kamto. Parce que vraiment, pas Kamto, notre président que le peuple avait élu depuis 2 ans, qui nous donne beaucoup son amour et qui est toujours présent pour notre souffrance. Aujourd'hui, le président élu Maurice Kamto, je sais que vous regardez souvent des vidéos sur Facebook. Vous avez souvent tendance... D'accord. Vous avez souvent tendance à souvent regarder ce qui se passe sur Facebook. Aujourd'hui, le président élu, je viens vers vous parce que le peuple a besoin de vous, le président élu Maurice Kamto. Le peuple camerounais a vraiment, vraiment besoin que vous entrez en action. Parce que le Cameroun est dans ce qu'on appelle le dégrement. Le Cameroun est dans ce qu'on appelle le dégrement. Le dégrement, c'est un mot rare. Selon ce qu'on me informe, le dégrement est un mot rare. Ça veut dire que le dégrement est un mot rare, mais très puissant. Le président élu va comprendre ce mot, le dégrement. C'est un mot rare et très puissant pour un pays accidentel des agresseurs. Ça veut dire c'est comme un bateau. Ça veut dire le Cameroun est comme un bateau dans un arrêt qui balance dans... Vous imaginez un bateau en plein air avec le vent, les vagues, tout ça. C'est comme ça le dégrement. Donc le Cameroun est devenu comme un bateau en plein air avec des vagues, les vents, tout ça. C'est ça le dégrement. Donc le Cameroun est devenu comme un bateau à la... n'arrive. Oui, le dégrement, c'est ça. Donc, le dégrement est une chose qu'on doit faire pour éviter. Dans le Cameroun, le président, élu, s'il vous plaît, le Cameroun est déjà devenu comme un dégrement. Donc, ça veut dire le dégrement est une chose qu'on doit faire pour éviter que le Cameroun nage dans le sang. Le dégrement en termes de navire, ça veut dire action. Ôte les agrès des vaisseaux. S'il vous plaît, le président élu, il faut vraiment qu'on évite ça au Cameroun. C'est pour ça, le président élu, Maurice Kamto, il faut que vous entrez en action. Vous devez entrer en action maintenant que le Cameroun est dans le dégrement. C'est pour ça, nous, les enfants du peuple camerounais, nous, la jeunesse camerounaise, nous voudrons que vous entrez en action pour éviter le peuple camerounais qui nage déjà dans le sang. Pour éviter que le peuple camerounais nage dans le sang. S'il vous plaît, le président élu Maurice Kamto, nous avons besoin de vous. Un moment dans la vie, nous ne pouvons pas laisser ce peuple balancer comme un bateau dans le vent, comme le Cameroun. Ça ne va pas, le président élu. Si je viens vous dire ça, ça ne va pas du tout, le président élu. Il y a un moment dans la vie, nous voulons vraiment faire des choses. Mais je sais, c'est l'instant, au moment où je vous parle, le président élu, Maurice Kamto, entrer en action. Ça veut dire, il faut qu'on évite que le Cameroun nage dans le sang, comme au nord-ouest et le sud-ouest. Parce que le Cameroun est déjà dans le dégrement, le président élu Maurice Kamto. Le Cameroun est déjà dans le dégrement depuis hier, les élections régionales. Depuis hier, le Cameroun est déjà dans le dégrement. Le dégrement, c'est quelque chose de dégré. Vous allez comprendre, c'est pas mon français. Je vous informe, on m'apprend, je vous apprends aussi. Le dégrement, c'est quelque chose de dégré. Donc, le Cameroun est déjà dans le dégrement
Maurice Kamto. Pour que les choses n'arrivent pas, il faut que le président élu Maurice Kamto passe à l'action pour sauver les Camerounais qui ne savent pas que le Cameroun est déjà dans un dégrement sauvage. S'il vous plaît, le président élu Maurice Kamto, pour que les choses n'arrivent pas, il faut que le président élu Maurice Kamto passe à l'action. C'est pas moi, hein, pas Kamto. Ça vient très loin. Ça vient. Le message ici, ça ne vient pas de moi, pas Kamto. C'est des gens qui veulent qu'on. C'est des gens qui veulent sauver le peuple camerounais. C'est l'autre monde qui veut vraiment que vous sauvez le peuple camerounais. Ce message ne vient pas de moi, moi. Le président élu Maurice Kamto. Ce message vient de nos ancêtres. Ce message vient du monde astral. Ça veut dire deux mondes différents qui voient le Cameroun. Ce message ne vient pas de moi, le président élu. Ce message, j'ai deux portes à moi qui est le porte. Le monde astral, ça veut dire le porte du monde des vivants et l'autre porte. Ce message, c'est des gens qui sont de l'autre monde, qui sont en train de voir le Cameroun et dans le dégrement. Ils nous demandent à notre guide spirituel, qui est le président élu Maurice Kamto, de passer à l'action selon ce qu'ils sont en train de voir sur cette terre qui est le Cameroun. S'il vous plaît, le président élu Maurice Kamto, nous savons que vous allez passer à l'action, mais quand je viens dire que le président élu Maurice Kamto, le président que le peuple a tant donné l'amour, qui donne vraiment l'espoir à tous les Camerounais, le bonheur, l'espoir que le pays, ce Cameroun va changer. Nous vous demandons de passer à l'action. Parce que pour que les choses n'arrivent pas, il faut que le président élu Maurice Kamto passe à l'action pour sauver les Camerounais qui ne savent pas que le Cameroun est déjà dans un dégrement sauvage qui va détruire le Cameroun. C'était un message pour le président élu Maurice Kamto. Maintenant, nous allons parler. C'était juste un petit message pour le président élu Maurice Kamto. Le dégrement, moi-même, hein, moi j'ai regardé dans le dictionnaire, je ne connais pas. On m'a seulement parlé le dégrement, dont le président élu va comprendre. Ceux qui sont bons en français vont aller chercher à savoir ce que c'est le dégrement. Dégrement, voilà. Nous allons parler ce que veut dire la manipulation avec le régime en place au Cameroun. Vous avez vu hier, il y a des choses qui se passent au Cameroun qui poussent toujours les tribus à faire ce qu'on appelle la guerre du tribalisme. Mais cette guerre que vous êtes en train de voir sur la toile et qui est en train de passer des ennemis contre des autres ennemis, c'est ce qu'on appelle la manipulation. Il suffit d'une petite histoire que ça devient une guerre tribale. C'est ça qui peut aussi, on peut aussi avoir le dégrement politique et le dégrement social, qui est la vie sociale, qui est à un degré de souffrance, à un degré de haine. Voilà pourquoi on appelle le président élu Maurice Kamto de venir sauver le peuple camerounais dans un dégrement qui est en train de nager le Cameroun. D'accord? C'est pour ça qu'on parle du dégrement, parce qu'on est en train de voir la haine des enfants camerounais contre eux. La haine que les enfants camerounais sont en train de tisser entre eux, qui est ce qu'on appelle le dégrement social et le dégrement politique. Ce qui veut dire, monsieur Amougou Belinga, je veux vous parler. Monsieur Amougou Belinga,
Je vais vous parler sincèrement avec mon cœur pour vous dire, arrêtez votre manipulation d'esprit pour cogner deux peuples, deux ennemis, des enfants camerounais dans la haine. Monsieur, moi je ne vais pas m'adresser à tout le monde. Je m'adresse à la clé qui nuit la jeunesse camerounaise qui veut réussir. Je m'adresse à la clé, soi-disant que vous avez de l'argent. Soi-disant que les gens viennent derrière vous comme des miels parce que vous avez des milliards. Vous vous montrez. Monsieur Amougou, Division 4, c'est vous qui avez demandé à Chantal d'appeler Lolo. C'est vous, Amougou Belinga, je ne sais pas de quoi. Amougou Belinga, arrêtez un peu. Quand un moment, vous vous êtes senti menacé au Cameroun, vous vous êtes senti que tout le monde était contre vous, parce que vous avez besoin de l'amour. Amougou Belinga, vous avez besoin que les gens vous regardent. Vous n'aimez pas que les gens vous tournent le dos. Vous avez mal de ça. Au moment que ça tournait très mal pour vous, Amougou Belinga, vous, celui qui a Vision 4, vous avez du mal. Vous avez besoin d'une reconnaissance. Vous avez peur du rejet du monde. Vous, Amougou Belinga, c'est ça votre point faible. Vous avez des milliards. Vous avez de l'argent pour acheter des gens. Quand au moment que tu sens que ton image te nuit, que tu sens que tu es rejeté par le monde, tu es capable de donner des milliards pour que les gens viennent vers vous. Vous avez besoin de la reconnaissance. Vous avez besoin de la reconnaissance. Que les gens disent c'est Amougou Belinga. Amougou Belinga, c'est un homme bon. Amougou Belinga, c'est un homme bien. Amougou Belinga, c'est un homme qui aide les Camerounais. Est-ce que tout ce qui se passe dans ce dégrement social, est-ce que vous savez que c'est vous? C'est qui est en train de détruire les ennemis alors que c'était un peu calme? Est-ce que vous savez que c'est vous, Amougou Belinga? Parce que vous avez tellement besoin de la reconnaissance. Vous avez peur du rejet du monde. Vous avez tellement peur d'être rejeté. De façon que vous avez appelé Chantal pour demander à Chantal de parler à Lolo de faire un direct. Les gens parlent. Moi, je ne suis pas comme vous. Je vais vous dire. Je ne suis pas comme vous. Moi, je n'entre pas dans ce jeu-là. Moi, j'appuie sur la personne qui a allumé ce feu qui devient une distraction sur Facebook. Moi, je dois toucher la personne, l'engrais de ça. Parce qu'il y a des gens sur cette terre, ils peuvent avoir de l'argent, ils peuvent avoir des milliards. Dès qu'ils se sont rejetés du monde, ils ont peur. Ils ont besoin de la reconnaissance. Ils ont besoin que les gens disent Amougou Belinga, c'est quelqu'un bien. Amougou Belinga, c'est quelqu'un qui donne le travail dans la société camerounaise. C'est ça votre problème. Amougou Belinga, moi quand je parle sur toi là, la première fois que j'ai parlé sur toi, Amougou, tu es tombé du 10e étage. Rappelle-toi très bien, Amougou. J'étais la première à dire que tu n'es rien, que tu achètes de l'amour et que tu vas tomber. Mais cette fois-ci, je ne veux pas te faire une menace, mais je veux te faire comprendre que même avec tes milliards, tu te fais manipuler avec le régime Biya. Même avec des milliards, tu es comme un enfant dans les mains de ces gens qui jouent le Cameroun. Tu n'arrives pas à t'imposer. Tu n'as même pas ton libre arbitre, Amougou Belinga. Tu es téléguidé. On te dicte ce
que tu dois faire, même avec tes milliards. Tu es au Cameroun, Amugo Belinga. Tu es au Cameroun, soi-disant, tu es milliardaire, tu as Vision 4. Au moment où tu veux faire un bien-être, tu veux aider une Camerounaise, quel que soit son aîné, son aîné. Mais si elle est bamiléquée, il suffit qu'on t'appelle pour dire arrête ça. Tu acceptes aussi comme un mouton. Pour dire à Amugo Belinga, tu n'as pas le libre arbitre. Je ne peux même pas vous voyez. Amugo Belinga, tu n'as pas le libre arbitre, même le libre arbitrage de ta vie avec tes milliards. Tu ne peux pas décider tout seul, quel que soit ce que tu veux faire. Si on t'appelle, on te dit arrête, tu arrêtes. Tu n'as même pas de couilles. Toi, Amugo Belinga, tu n'as pas de couilles. Quand tu t'es senti rejeté par le monde, quand tu voulais la reconnaissance, tu as appelé Chantal. Oui, tu as appelé Chantal. Tu as demandé à Chantal de dire à Lolo de te faire un direct de soutien. Vous allez parler. Moi, je vous ai dit. Moi, je ne suis pas comme vous. Quand je sors, je prends le temps, les informations avant de faire les directs. Je ne fais pas les directs, papa. Je ne suis pas une suiveuse. Oui, Amugo Belinga, tellement que tu te sentais rejeté au moment que tu avais des problèmes, tu avais besoin que le monde revienne vers toi. Tu avais besoin d'une blogueuse qui crie sur la toile, qui parle et qui est d'une ennemie bamiléké. Oui, c'est ce que vous avez fait, Amugo Belinga. Aujourd'hui, je compte dans un direct, tu reproches Chantal alors que tu mens. Tellement, tu es manipulé d'esprit par ce genre de régime. Amugo Belinga, aujourd'hui, j'écoutais dans un direct hier dans la nuit parce que moi, je ne suis pas dans tous les directs. Je ne suis pas dans tous les directs. J'ai vu un direct chez l'abbé Sam. Il a partagé sur sa page. J'écoute comment ici, mais des forces que vous êtes en train de nier que vous n'avez pas parlé à Chantal. Vous êtes en train de nier que vous avez bloqué Chantal ici, menteur. Amugo Belinga, tu n'es qu'un grand menteur depuis des années. Tu as construit ton empire dans le mensonge. Tu as construit ton empire dans le mensonge. Quand j'ai écouté ces directs, moi je vous ai dit, moi je ne pars pas dans tous les directs. Je peux arriver dans la nuit avant de dormir, c'est 2 heures, je regarde les replays de certains directs. Je vois une fille qui met des voces quand vous êtes en train de parler à qui? Regardez un milliardaire qui parle avec un enfant. Ça, il oublie qu'on est en train de l'enregistrer. Quand vous enregistrez les gens, oui, à mon goût, c'est vous qui avez montré l'exemple. L'exemple à la jeunesse camerounaise, qu'on peut enregistrer les gens quand on parle au téléphone. On vous a fait ça dur. Mais vous avez oublié que cette fille, quand elle a mis cet enregistrement dans son direct, moi, j'ai des informations que les autres ne peuvent pas avoir. Vous mentez à cette fille. Vous êtes en train de mentir tellement parce que le régime du Cameroun, le régime bien, vous a fait une pression de ne plus inviter Lolo sur votre chaîne alors que c'était dans votre projet, alors que c'était dans votre programme. Lolo n'avait rien demandé. Lolo ne vous a jamais parlé au téléphone. Lolo vous a jamais parlé au téléphone. Ce promesse vient de vous, Amugo Belinga. Moi je parle, ces filles-là, je ne les connais pas. Mais je veux vous dire que j'ai souvent les informations que vous ne pouvez pas avoir. Lolo n'a jamais parlé avec vous. Il n'y a que Chantal qui était un intermédiaire entre vous avec Lolo. C'était Chantal Haïssi. Lolo ne vous a jamais eu au téléphone. Même quand vous avez fait de dire à Lolo que vous devez l'inviter à Vision 4, c'est vous qui avez dit ça. À Chantal, Chantal a transmis le message à Lolo. Lolo, sans savoir que dans la vie, on ne fait pas confiance comme ça aux gens. Oui,
Lolo, fais très attention. On ne fait pas confiance aux gens comme ça dans la vie. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit que telle personne a dit ça que tu peux croire que c'est vrai. Parce que quand tu as fait ton direct, tu étais sûr d'aller au Cameroun et qu'on ne t'arrête pas. Selon les informations que tu avais eues, Lolo. Selon les informations que tu avais eues par rapport au soutien que vous avez fait envers Amougou Belinga qui avait besoin que le monde, que le peuple camerounais vienne vers lui tellement qu'il a peur du rejet. Il a peur que le monde le tourne le dos et l'achète de l'amour. Amougou Belinga achète de l'amour. J'ai toujours dit, c'est quelqu'un avec son agent, il achète de l'amour. Moi, je ne vais pas parler du tribalisme. Moi, je parle de la clé qui nuit le tribalisme dans le problème du Cameroun, qui est un jeu qui est en train de se passer au Cameroun et que le régime est content de ce qui se passe sur la toile. Le régime est content de ce qui se passe avec le problème Bamileke, Betty. Ça, ça les fait jouir. Le régime Biya aime ça quand il y a la guerre entre les Bamileke. Les Bamileke, Betty, le régime de Biya, ça les fait jouir. Ils prennent les pieds quand vous êtes en guerre. Voilà pourquoi. Quand Amougou contacte Chantal, demande à Chantal si, parce que Chantal était déjà avec Lolo, demande à Chantal de faire un soutien pour Amougou. Lolo le fait. Oui, faites attention, ma soeur. Là, c'est pas tout l'argent, c'est cette terre qu'on mange. Vous avez été payé pour ça. Oui, vous avez été payé pour ce soutien. Vous avez été payé pour ce soutien. Qu'on ne me dit pas que je mens. Tu viendras dire que je mens, mais je sais que tu as été payé pour ce soutien. On a transmis l'argent à Chantal. Chantal t'a payé pour ce soutien total que tu as fait à Amougou. Aujourd'hui, ça nuit le peuple Bamileke. Ça nuit le peuple Betty, parce que vous voulez toujours l'argent facile. Vous voulez toujours faire. Parce que vous êtes des blogueuses. Pour que on continue à faire la guerre tribale au Cameroun. Travaillez. Gagnez votre vie à la sueur de votre front. Vous êtes des blogueuses. Faites très attention quand on vient vous payer de faire des choses sur Facebook. Parce que ça retombe sur vous. Ça retombe dans votre vie et c'est un karma. C'est un karma, je le dis, parce que tu es en train de détruire toutes tes ennemis des Bamileke qui se font insulter à cause de quelqu'un qui se croit qu'elle a de vues, qui se croit qu'elle est importante parce qu'elle est une blogueuse. On vient te payer pour donner le soutien à quelqu'un, tu le dis naturellement que c'est un soutien total. Tu n'es pas dans le tribalisme parce que tu caches le fond. Tu caches le fond de l'histoire. Oui, Chantal te donne. Elle te voit. Et après, elle te dit de faire un soutien total. Tu l'as bien fait, ma soeur Lolo. Tu l'as tellement bien fait, ce soutien total. À Amougou Belinga. Voilà. Amougou Belinga, tellement, ça se passerait bien. Il est content. Il voit Chantal. Il dit oui. Cette fille, je vais l'inviter à Vision 4. Je vais faire quelque chose pour elle. Chantal, comme toutes les femmes, transmet le message à Lolo. Lolo, étant content, lance un direct pour larguer les autres. Ça devient un problème. Dès que ça a pris une tournure sur Facebook, le régime, parce que le régime n'était pas au courant de ce projet, il n'y avait que Amougou et Chantal qui étaient au projet que Lolo devait aller au Cameroun et passer dans Vision 4. Mais comme les femmes adorent se mettre à la hauteur, vous toujours se faire voir et faire l'horreur et faire un direct et parler de ça. Comme les ennemis au Cameroun, c'est déjà la guerre de tribalisme, c'est déjà la haine contre le peuple Bamileke. Ah oui, c'est ça. Oui. On n'a pas vu que c'était une fille qui était contente d'un projet qu'elle n'arrivait pas à croire. On n'a pas vu que cette fille était contente. Le niveau où
arrivé, mais les autres ont pris ça pour une guerre. Les gens ont fait de façon que, oui, le régime appelle Amougou, de dire à Amougou d'arrêter ce projet. Voilà pourquoi aujourd'hui, Amougou nie qu'il n'a jamais dit à Chantal qu'il va inviter Lolo à Vision 4. Un mensonge encore de plus. Oui, soi-disant que le régime était content que ça soit comme ça, pour distraire les Camerounais, comme d'habitude, le régime de Biya voulait la guerre tribale. Le régime Biya voulait la guerre tribale, a dit à Amougou de laisser tomber. De fait, il savait que cette fille qui appelait l'a enregistrée et que cette fille devait mettre ce voice sur Facebook pour continuer encore le jeu. Le jeu qui est le tribalisme au Cameroun. Une guerre tribale contre les Bamileke et les Béti. Cette fille ne savait pas que tout ce que Amougou disait, savait qu'elle mettait, elle devait mettre sur Facebook pour montrer que Chantal mentait, pour montrer que Lolo est rejeté parce qu'elle est Bamileke. Voilà l'histoire. Arrêtez de tout mélanger. Le Cameroun, est-ce que le Cameroun est dans ce qu'on appelle le dégrément social? Ça veut dire intégrer des navires qui va couler, qui va faire couler le sang, qui va faire nager le sang sur la terre camerounaise. Nous sommes déjà à ce niveau. Oui, c'est un jeu tribal qu'on est en train d'appuyer, qu'on appelle ça distraire les Camerounais, comme d'habitude, pour une guerre tribale, parce qu'on avait vu que la guerre tribale était un peu calme, que les choses avaient changé. Il fallait encore mettre quelque chose qui fait une buzz, qui fait détester les Bamileke, que les Bamileke détestent les Béti, et que les Bamileke bêtes ne réfléchissent pas, viennent faire des directs pour critiquer ce peuple, les Béti, et que les Béti viennent inciter les Bamileke. C'est ça le Cameroun maintenant qu'on appelle le dégrement. Le Cameroun est maintenant dans ce qu'on appelle le dégrement. Ça veut dire nous nageons. On est dans un bateau à la mer avec le vent et les vagues qui fait comme ça, pa. Que après, le sang va couler. Après, le sang va couler. Le jeu que ce régime est en train de faire est un jeu très dangereux. Très, très, très dangereux. Pour innocente. Lolo, elle est innocente. Parce que elle est ce qu'on appelle intermédiaire. Elle n'est pas sûre de ce que la personne a dit. Elle ne viendra jamais dire qu'elle avait été payée pour faire un soutien total à ce monsieur qui a vu que son soutien total avait bien marché, avait promis à cette fille que je vais t'aider. Je vais te faire passer de la Vision 4. Mais, comme les filles, quand vous voyez qu'une fille est réussie, au lieu de fermer sa gueule, elle est venue sur Facebook faire la fête. Chantal, aujourd'hui, on la renie. Lolo de l'autre côté, elle est ce que c'est une Bamileke qui veut aller passer dans Vision 4. Je ne veux pas entrer dans le jeu. Moi, je parle avec le gouvernement camerounais parce que moi, je dis, moi, mon combat dans cette révolution, c'est faveur. Ça veut dire, je donne mes faveurs pour le Cameroun à l'appui de l'écoute avec la bienveillance, à l'appui de la protection d'aide. C'est ça mes faveurs. Je ne suis pas comme vous pour tisser la haine. Non, je ne peux pas. Je donne mes faveurs, ce qu'on appelle la considération égale. Considération populaire, privilège, le Cameroun. Pour moi, le privilège, c'est le Cameroun, c'est sauver le peuple camerounais, c'est sauver la terre camerounaise. Oui, c'est ça. La bienveillance, gratification, avantage pour le peuple camerounais, pour que tous les enfants camerounais n'entrent pas dans ce jeu, qui est une guerre tribale qui est faite par le régime en place,
que ce régime en place qui fait comprendre à Amougou de ne plus faire venir le lot dans son chêne. Voilà pourquoi quand Amougou, on appelle Amougou, il sait qu'on l'enregistre parce que c'est un bandit, c'est un féman. Il sait qu'on l'enregistre, il doit dire les choses négatives pour que ces gens, que ce peuple vienne tisser la haine contre les Bamilékés qui veut dire que les Bamilékés veulent être partout. Non, il faut que vous arrêtez. Moi, je dis à Amougou Belenga, si tout ce qui se passe, c'est votre faute parce que vous n'avez pas eu les couilles d'assumer vos actes. Vous n'avez pas eu de couilles de dire la vérité. Vous avez été trompé, manipulé par le régime qui veut la guerre tribale au Cameroun, toujours contre les Bamilékés, pour que certains ennemis détestent les Bamilékés. Oui, à mon goût, on vous a manipulé. On vous a bien manipulé pour ça. Vous êtes entré dans ce jeu. Moi, je croyais que les milliardaires avaient des couilles. Je croyais que les milliardaires avaient la gnaque. Je croyais que les milliardaires avaient des caractères. Oui, à mon goût. Aujourd'hui, les gens comprendront ce que je dis souvent, que vous avez besoin d'acheter de l'amour aux gens parce que vous n'avez pas confiance de l'argent que vous avez, parce que vous êtes un parvenu. Amougou Belenga, vous êtes un parvenu parce que vous n'arrivez pas à croire que vous avez de l'argent, parce que l'argent que vous avez est tombé du ciel. Vous n'avez pas souffert pour cet argent. Voilà pourquoi vous ne connaissez pas la valeur de cet argent que vous gérez, soi-disant le zonloi. Le zonloi. Vous êtes un parvenu parce que l'argent que vous avez n'est pas votre argent. Je le dis toujours, ce n'est pas votre argent. Vous ne connaissez pas la valeur de votre argent. Voilà pourquoi vous êtes qu'un parvenu. Quand on voit un milliardaire, c'est rare. Un milliardaire qui se dit qu'il a l'argent, son nom ne peut pas être chanté sur Facebook. Son nom doit être respecté. Son nom doit être porté. Comme le président Élie Moïse Kanto, ce n'est pas un milliardaire, mais c'est quelqu'un qui se respecte beaucoup. Voilà pourquoi on le porte. Oui, voilà pourquoi on le porte. Oui, oui, oui. Mais quand vous êtes un parvenu, vous venez d'un banlieue, vous avez l'argent brusquement. Quand vous êtes quelqu'un qui avait grandi dans le ghetto et que vous avez l'argent dans ce qu'on appelle le mécanisme. Le mécanisme, c'est l'argent qu'on ne s'attend pas et qui tombe comme ça parce que, oui, vous avez fait appel aux êtres humains, les êtres supérieurs du monde astral qui vous a fait de vous, de ce que vous êtes, Amougou Belenga. Puis, vous avez fait appel aux êtres supérieurs du monde astral. Qui a fait de vous, de ce que vous êtes? Oui. Voilà pourquoi les gens ont tendance à dire que... Les gens ont tendance à dire, oui, il a souffert. Non, on appelle ça le mécanisme. C'est un conception matérialiste qui aborde l'ensemble des phénomènes suivant le modèle des liens, des causes et faits. Cette conception rejette l'idée d'un finalisme selon laquelle les phénomènes ont un but. Parce que votre agent, vous l'avez eu dans ce qu'on appelle le mécanisme. Le mécanisme, ça veut dire le phénomène. Vous faites appel à l'être supérieur du monde astral. Vous avez toujours tendance à dire, c'est l'argent de la Suède de mon front, c'est Dieu qui m'a donné cet argent. Parce que vous savez vous-même que cet argent ne vient pas du monde réel. Cet argent que vous avez, Amougou Belenga, c'est pas l'argent nature. C'est pas l'argent de cette terre. C'est ça qu'on appelle le mécanisme. Oui, 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 oui. Vous, on m'apprend, hein. En même temps, je veux vous apprendre aussi. Oui, ces gens ont une tendance à faire. Ils ont besoin d'être reconnus. Ils ont besoin, dès qu'ils ont la peur d'être rejetés.
Parce qu'ils appellent ça l'armature envers Dieu. Ils ont peur. Parce qu'ils savent, ils rejettent la noisseur qui est dans leur esprit. Ils ont tendance à croire que l'argent qu'ils ont, c'est Dieu qui a donné ça. Ils ont peur de l'amertume. L'amertume envers Dieu. C'est un gros mot, l'amertume. On va parler de ça. Pour vous, je m'arrête là, à mon goût. Faites très attention. Voilà pourquoi vous êtes un parvenu. Vous n'avez même pas fait l'école. Parce que ces milliards que vous avez, vous ne le méritez pas. C'est l'argent de la, du peuple camerounais que vous nagez dedans. Vous êtes en train de jouer avec. Ça vous rend fou. Ça vous rend bête au Cameroun. Ça vous rend malade. C'est l'argent de ce peuple. L'argent des Camerounais. Oui, 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 oui. C'est l'argent. Vous dites que vous êtes des milliardaires. Vous avez travaillé quoi? Vous avez des milliards. Et ce peuple, en par mois, 35 000 francs. Vous avez fait comment pour avoir ces milliards au Cameroun, hein, Mougou? Oui, vous avez fait comment? Ça s'appelle le mécanisme. Allez taper sur Google. Qu'est-ce que c'est un mécanisme? Vous allez voir les symptômes de ça. Et la définition de mécanisme, les consultations. On appelle ces gens. Ces gens ont ce qu'on appelle... ils ont ce qu'on appelle indécente. Ils ont ce qu'on appelle discrimination indécente. Ils ont toujours peur qu'on va les accuser de moukouagnés, des gens de satanisme. Ils ont besoin de l'amour du peuple camerounais pour détruire ceux qui sont autour d'eux. Maintenant, j'ai fini avec ce page-là. Je vais boire un peu d'eau et après, on va continuer. Et des gens vont venir faire des directs pour parler sans savoir ce qui se passe au Cameroun. Moi, je vous ai dit, moi, je donne mes faveurs pour le peuple camerounais. Oui. Et dans mes faveurs, c'est écoute. Et c'est l'appui et privilège pour le Cameroun. Donc, quelque chose qui touche le Cameroun, qui touche tout le peuple camerounais, je sors pour mettre le point sur le i. Nous allons parler ce qu'on appelle consultation. Beaucoup de jeunesse, beaucoup la jeunesse ou bien beaucoup des êtres humains font ce qu'on appelle la consultation. La consultation, c'est quoi? Je vais d'abord prendre l'exemple pour moi et après, je vais vous parler de ça. Vous allez comprendre. Moi, les gens vous disent, je suis qui? Que pourquoi je parle comme ça? Moi, je vais vous dire, je réussis lentement. Je réussis ralenti. Ça veut dire, je ne cours pas dans la vie. Quand mes copines, je raconte d'abord cette histoire pour vous parler ce qu'on appelle consultation. Quand mes copines voulaient voyager au Cameroun, tous mes copines avaient eu les visas. Moi, j'étais au Cameroun. Je n'avais jamais mis mes pieds dans une ambassade. Je n'avais jamais mis mes pieds quelque part. Vous allez comprendre ce que veut dire la consultation. Ça va vous aider aussi. Un jour, j'ai eu un blanc qui m'envoie de l'argent. Je devais aller en Australie. En Australie, le billet d'avion de l'Australie, donc c'est vers la Nouvelle-Calédonie. Déjà, le billet d'avion, c'était déjà dans les 2 millions pour aller à la Nouvelle-Calédonie, donc c'est vers l'Australie. Donc, le billet d'avion coûte déjà 2 millions. Donc, seulement, l'argent du billet coûtait 2 millions. Vous comprenez? Je vous raconte ce qu'on appelle la consultation. Ça veut dire, moi, je ne peux pas... Vous allez me dire que elle se vante. Non, ma réussite. C'est ce que Dieu m'a donné. Je réussis lentement. Je réussis avec ralenti. Ralenti. Donc, quand les gens courent, je suis là, j'attends. Le jour que ma part viendra, ça va venir. Donc, ce blanc m'envoie de l'argent, avec des papiers, avec tout, tout, tout. Il me fait venir en vacances pour 2 semaines. Donc, pour 1 mois, pour revenir au Cameroun. J'ai dit, aïe! Comment quelqu'un me paie d'abord seulement le billet d'avion pour 2 millions? Le billet d'avion seulement, en plus c'était Kenya Airways qui coûtait 2 millions. C'était pas Air France. Parce que je devais faire
je devais faire beaucoup d'escales. Donc, je devais m'arrêter. Donc, quand ça coûte 2 millions, c'était Kenya Airways que je devais prendre à cette époque. Donc, ça coûtait 2 millions par Kenya Airways. Donc, par Air France. Quand je vous parle du Cameroun, de la Nouvelle-Calédonie, donc c'est vers l'Australie, le billet d'avion coûte très cher. Donc, je dis, mais non, le blanc, là, il veut me faire venir pour me faire rentrer au Cameroun, alors que mes copines sont en train de voyager. Mes copines avaient eu des blancs, mes copines étaient déjà allées en Europe. Alors, je vois un Africain, il dit qu'il va m'aider. Il me dit, je lui donne 1 200 000. Je lui dis, tu prends d'abord 200 000, tu me fais des dossiers, et après, si j'ai le visa, je te donne 1 million. Le mec, il compose tous mes dossiers, il dépose à l'ambassade. Le jour du retrait, mon passeport est sorti vierge. Ça veut dire, dans mon passeport, je n'ai pas eu ni refus, ni visa. Ce mec, il a dit, il n'a jamais vu ça dans sa vie. Parce que quand vous déposez vos dossiers, ou on vous donne le visa, ou on vous donne, on vous met un cachet du refus. Mon passeport est sorti. Moi, ce truc que j'ai m'a toujours protégée. Voilà pourquoi moi, de la nature, je suis chanceuse. Voilà pourquoi quand je viens vous donner ce que je suis en train d'apprendre, parce que je sais qui je suis. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, l'argent, je n'ai pas besoin. Ça peut être dur dans ma vie, mais quand les portes sont ouvertes, c'est extraordinaire. Je veux vous faire comprendre ça. Pourquoi les gens disent moi que tu dis que tu es foiré, tu dis que tu n'en as pas l'argent alors que tu peux gagner de l'argent? Non. J'ai un don de la nature depuis qui m'a toujours aidé. Donc le mec dit qu'il n'a jamais vu un passeport qui sort ni visa ni refus. Il dit qu'il n'a jamais vu ça dans sa vie. Ce mec dit non, ça doit être la vignette qui a glissé sur le passeport. Le lundi, le mec remonte à Yaoundé, il fait un farce à l'ambassade en disant, nous avons déposé un dossier, nous n'avons pas eu de suite. Le blanc lui dit, comment vous n'avez pas eu de suite? Il dit, nous avons déposé un dossier, le passeport est sorti vierge. Donc mon passeport est sorti comme quelqu'un qui n'était jamais entré dans l'ambassade. Vous comprenez? Le mec était tellement, il était sûr que j'avais eu le visa, que la vignette avait glissé. Il envoie le fax. Il part maintenant, il voit le blanc à l'entrée. Le blanc a pris mon passeport, il a mis le cachet refus. Le cachet refus. Je rentre à la maison, je dors le lendemain. C'est l'ambassade. Vous savez que c'est des demandeurs qui ont le numéro de portable. Ce n'est pas la personne qui compose le dossier qui met son numéro de portable sur le dossier. Donc le lendemain, l'ambassade m'appelle. Moi. Il me dit, madame, est-ce que c'est vous? J'ai dit oui. Il me dit, déjà l'ambassade a appelé, je n'étais pas là. C'est ma fille qui avait le téléphone. J'ai dit oui. Il me dit, ma fille me dit, maman, il y a une femme blanche qui a appelé, c'est l'ambassade de la France. J'ai dit, quoi? L'ambassade appelle pourquoi? Moi, pour moi, j'étais étonnée parce que le mec avait tellement forcé qu'on avait mis le refus sur mon passeport. Je vais vous raconter cette histoire pour vous parler de ce qu'on appelle consultation. Donc, le mec, donc quand l'ambassade m'appelle, je suis dépassée, je ne comprends pas pourquoi l'ambassade m'appelle. Le lendemain, ma fille me dit ça. Donc, ils ont appelé peut-être lundi, je n'étais pas là. Mardi, vers 16h, l'ambassade m'appelle encore. Oui, madame, est-ce que c'est vous? J'ai dit oui. Il dit, vous voulez voyager quand? J'ai dit, quoi? Pourquoi? Elle me dit, mais madame, est-ce que vous voulez voyager? J'ai dit, demain. Elle me dit, mais non, madame, vous ne pouvez pas voyager demain. Je regarde mon passeport, il y a le refus. Je vais vous parler de miracles de la nature. Parce que quand je viens sur Facebook, les gens ne me connaissent pas qui je suis. Pour vous dire, moi, je suis différente de vous que quand les choses sont, c'est pas comme pour vous. Donc, je dis, merde, comment mon passeport pour avoir un refus? On m'appelle. Je dis demain, la femme au consulat me dit, non, vous ne pouvez pas voyager demain. Donnez au moins le temps de payer un billet d'avion et de préparer vos voyages. J'ai dit, d'accord, je mets la date. Elle me dit, à l'époque,
Ça, on payait 17 500 francs. Elle m'a dit, vous venez avec 17 500 francs? Je dis oui. Je m'en vais voir un mec. Je lui dis que c'est bizarre. L'ambassade m'appelle de venir avec mon passeport. Mon passeport, on a déjà mis le refus dedans. Parce que mes ancêtres ne voulaient pas que ce mec prenne mon argent. Je vais vous dire de la force de la nature. Parce que quand je parle toujours de la force de la nature, certains gens ne comprennent pas. Moi, je vous parle de ça pour que vous devez comprendre que la force de la nature existe. Vos ancêtres sont toujours dans vos vies. Oui, oui, oui. J'ai dit à un mec que non, c'est bizarre. L'ambassade m'appelle de venir prendre le visa. Mon passeport, il y a déjà un refus. Je commence à paniquer. Je commence à avoir peur. Je m'en vais quand même à Yaoundé. Je m'en vais à l'ambassade, je vois le blanc à la porte, je lui dis, j'ai rendez-vous. Elle me dit, vous venez pourquoi? Mon nom était déjà à l'entrée. Donc, je n'avais pas besoin de me mettre en rang pour aller prendre le visa qu'on m'a fait venir prendre. Donc, j'arrive, je donne mon nom, on me dit, madame, entrez. Je donne mon passeport. Déjà, je paniquais. Vous savez, tout le monde rêve de voyager. Tout le monde rêve d'avoir un visa. Vous imaginez un passeport avec déjà un refus dedans. Et quand vous faites venir à l'ambassade, de vous dire de venir prendre un visa, comment vous allez vous comporter en tant qu'Africain? Vous paniquez. Vous avez la peur. Vous avez la peur parce que vous ne comprenez pas ce qui arrive. Parce que vous avez déjà peur. Déjà que dans votre passeport, il y a déjà un refus. Que ce ambassade vous a déjà mis un refus. Vous ne comprenez pas pourquoi on vous fait venir. J'arrive vers 17h. Je dépose mon passeport. On me dit de venir à 16h. Je reviens à 16h. Je prends mon passeport. Mon passeport à 17h. Là où on avait mis le refus, on a collé la vignette. C'est pour vous dire, le jour que ce mec avait déposé le dossier, j'avais eu le visa. J'avais eu le visa. Je suis désolé. Ça veut dire que j'avais eu le visa, que ma vignette avait glissé et que mes anges ne voulaient pas que ce mec prenne mon argent, peut-être parce que j'avais besoin de ce 1 million pour venir faire quelque chose en France. Donc ce mec, après, n'a jamais su, après que l'ambassade m'avait appelé pour me donner le visa. Donc, ça veut dire, j'ai payé 200. Non, j'ai payé 200 000. Seulement parce qu'il avait composé les dossiers. Parce qu'il avait composé les dossiers et le voyage, les frais de l'hôtel, le transport, je partais à 300 000. Alors qu'on avait conclu à 1 200 000. C'est pour vous parler de quelque chose, pour vous dire, la Russie, c'est lentement. Donc, j'ai le visa, je rentre. Pour finir, j'ai gardé des 1 million sous moi et je voyage, mon billet d'avion, j'ai l'argent quand j'arrive en France. Donc j'ai eu le visa à 300 000. Ce mec n'a jamais su après que j'ai eu le visa alors qu'il savait parce qu'il avait vu le refus dans mon passeport. Jusqu'à il m'a dit, il faut qu'on change de nom pour que tu fasses un autre passeport parce qu'il voulait à tout prix que je lui donne mon argent. Il voulait à tout prix me faire voyager parce qu'il savait que j'avais de l'argent sur moi pour le payer les 1 200 000. Donc, à l'époque, quand on te donnait le refus, tu changeais de nom, tu faisais un autre passeport. Mais le lendemain, parce que ma vignette était restée à l'ambassade, ma vignette avait glissé miraculeux, comme un miracle sur mon passeport. Ma vignette a été déposée quelque part à l'ambassade pour attendre le moment que c'est moi seul qui viens le chercher, cette vignette. Voilà pourquoi l'ambassade m'a appelé parce qu'il y avait déjà ma vignette. Ça veut dire que quand on donne nombre de personnes de visa et qu'on voit qu'il manque une personne qui n'a pas eu son visa, on appelle la personne là parce que c'est un taux. Donc voilà pourquoi on m'a appelé, même si j'avais le refus dans mon passeport. On a collé mon visa, là où s'était collé le refus. Cet agent m'a permis, parce que quand vous êtes quelqu'un dans la vie, que c'est la nature qui vous donne quelque chose, naturellement, comme un don de Dieu,
C'est pour ça que je vous dis toujours, je n'ai pas le droit de prendre de l'argent parce que je vois le parcours de ma vie. Je vois le parcours de ma vie. C'est pour ça qu'ils ont voulu que j'aie de 1 million sur moi pour venir en France. Quand j'arrive en France, je croise une fille. Elle me dit, je connais une dame, elle va t'aider. Elle me dit, c'est combien? En une semaine, je croisais une dame, je lui ai donné 700 000 sur les 1 million que j'ai ramené du Cameroun. Je ne travaillais pas. Au bout d'une semaine, je croise une fille, elle me dit, j'ai une dame qui va t'aider. Elle me dit, la dame vaut 700 000. Donc, ça veut dire les 1 million que je n'ai pas donné à ce mec m'a permis de donner 700 000 à une dame qui m'a aidé à faire des papiers en Italie. J'ai attendu 2 mois pour avoir ces papiers. Dès que la femme a eu les papiers, à l'époque, c'était les cartes de résidence italiennes. Les cartes résidents italiens ont donné 5 ans. Dès que la dame a donné, je vous parle de 2004, hein? Dès que la dame a donné, je suis descendue. J'étais à Paris. Je descends en Bretagne. Pour vous dire que les 1 million que mes ancêtres n'ont pas voulu que je donne à ce mec, ils savaient. Ils avaient déjà vu mon parcours. Ils avaient déjà vu le chemin que je devais faire. Ils savaient que j'avais besoin de cet argent dans ce pays qui a un problème des papiers. Voilà pourquoi ils avaient besoin que j'ai cet 1 million, de ne pas donner ce 1 million à ce mec. Quand j'arrive, je donne les 1 million, les 700 000 à la dame. Cette dame me fait les papiers. J'arrive, je viens en Bretagne, j'ai changé ces papiers, ces cartes de séjour de 5 ans qu'on donne en Italie en 2004. Je l'ai eu en 2004 en carte de séjour. Carte de séjour français. Pour vous dire, la vie de chaque être humain est tracée selon ce que vos ancêtres, selon peut-être la personne que tu es. Donc, je l'ai eu en 2004. Ces cartes, c'était même pas Union européenne à l'époque. Non, 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 c'était pas Union européenne à l'époque. Donc, en 2005, de 2004 en 2005, j'ai déjà une carte de séjour de 5 ans. On ne donnait que 1 an. Moi, j'ai eu indirectement en 2005, carte de séjour 5 ans, écrit dessus nationalité italienne. Moi, oui. Je vais arrêter là. Pour vous dire, dans la vie, on va parler de consultants, les gens qui courent vite pour réussir dans la vie. Vous allez comprendre que nous, les Africains, on a l'habitude de vite courir. Et quand je vous dis, un don de Dieu est gratuit, c'est parce que je connais ma vie. Quand ça ne va pas, on peut me laisser galérer comme tout le monde. Je suis un être humain qui a besoin de souffrir un moment. Mais quand mes portes s'ouvrent, ça, c'est différent que pour les autres. Moi, je n'ai pas galéré en France comme les gens qui se marient pour avoir des papiers. Non. Mais 1 million m'a permis d'avoir un carte de séjour de 5 ans. À l'époque, on ne changeait pas vos cartes d'identité en Italie, là, quand vous donnez les cartes de séjour, là, qui est rose, là. Qui est rose là, à l'époque, on ne changeait pas ça ici en France. Mais moi, on a changé en carte de séjour. Pour vous dire, oui, quand je dis je donne mes faveurs pour le Cameroun, parce que je sais qui je suis. Quand je dis le privilège, c'est le Cameroun. C'est pour ça, vraiment, je donne mes faveurs pour le Cameroun. À l'époque, mais maintenant, les gens qui sont en Italie, là, quand vous avez vos cartes de résidence, là, vous ne travaillez pas ici en France. Vous ne pouvez pas travailler avec vos cartes de séjour, là, qui est orange, là. Vous ne travaillez pas en France. Et à l'époque, ce n'était pas Union européenne comme maintenant. Mais moi, en 2004, je dépose ça à la mairie. On me donne ça en carte de séjour, écrit dessus, nationalité italienne. Je n'ai même pas tapé 1 an. J'ai eu 5 ans sans être mariée, sans avoir d'enfant. C'était juste une petite parenthèse pour faire comprendre aux gens, pour les dire, quand je dis mes faveurs, mon don est un don de nature. Parce que ce genre-là me donne aussi ce qui est extraordinaire dans ma vie. D'accord?
Le consultation, c'est quoi? Le consultation, c'est action de consulter, de mettre un avis, synonyme d'examiner. On va parler de consultation, pourquoi? Il y a des gens qui font des choses et après, ça retourne sur leur nez. Parce qu'il y a des Africains qui font des choses et après, ça retourne sur leur nez. Exemple, vous allez dire oui, on vous accuse d'avoir tué vos frères, on vous accuse que c'est vous qui faites le. Vous êtes sorcière, vous pratiquez, vous êtes ceci, cela. C'est pour ça qu'on appelle consultation. On appelle ça la consultation. La consultation, c'est l'action de consulter quelque chose, de mettre un avis ou bien d'examiner. Et après, quand vous faites des choses, et après, quand ça retourne sur le nez, ces gens en avant, ces gens qui consultent le monde de astral, les êtres humains, les êtres supérieurs du monde astral, pour avoir, pour réussir très vite, pour avoir vite la réussite, ces gens, dans la vie en général, pour mieux avancer dans la vie, ils doivent toujours admettre que leur réussite vient de Dieu. Ils doivent toujours admettre que leur réussite vient de Dieu. Voilà pourquoi on dit dans la vie, le monde en général, tout le monde est destiné à réussir. Je dis, tout le monde est destiné à réussir. Seulement, que les autres personnes prennent le temps pour réussir. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça c'est le sujet, c'est consultation. Tout le monde est destiné à réussir. Seulement que les autres personnes prennent le temps pour réussir. Sauf si quelqu'un consulte les êtres supérieurs de l'autre monde astral pour réussir, qui s'appelle le mécanisme. Sauf si quelqu'un consulte, parce que nous parlons de consultation, sauf si quelqu'un consulte les êtres supérieurs de l'autre monde astral pour réussir, entre parenthèses, le mécanisme. C'est quoi un mécanisme? C'est combinaison des pièces destinées à fonctionner ensemble, à produire du mouvement. Comme section, la philosophie, c'est de la philosophie qui réduit tous les phénomènes à un ensemble de mouvements qui soutient que tout dans que qui soutient que tout dans la nature est un produit par propriété mécanique de la matière. C'est quoi le mécanisme? Le mécanisme, c'est quoi? Ça peut être des sectes, des pactes, et encore quoi? Des réunions entre les gens qui font des trucs, qui font souvent appel aux gens supérieurs du monde astral. C'est pour ça qu'on appelle ça le mécanisme. C'est pour ça, le synonyme de mécanisme, c'est en général des gens qui sont souvent, comment on appelle ça, le mécanisme, c'est en quoi? Agencement, apparaître, processus, machine, intestif, marche,
y réfléchir, mécanique, réflexe, marginal, évolution, intestive, involontaire, involontaire, automatique, suite, marginal, développement, dispositif, y réfléchissez. Il réfléchit. Ça veut dire que dans ce mécanisme, vous avez tous ces symptômes-là à l'intérieur. Pour finir, quand ça retourne, quand ces gens ont tendance à voir que quand ça retourne dans leur nez, ils commencent à dire, ils appellent ça comme une discrimination indécente. Parce que quand vous faites des pratiques pour réussir très vite, vous avez tendance. Et quand on vous accuse de quelque chose, on vous dit que vous êtes comme ça, vous avez tué votre frère, vous avez tué telle personne, mais vous, au fin fond, vous le savez que vous l'avez fait. C'est pour ça qu'on dit des gens, les consultations. Parce qu'il y a des gens qui consultent des réunions. C'est pour ça qu'on dit le mécanisme, c'est un groupe de personnes qui s'associent à réussir, à faire des pactes pour avoir la réussite très vite. C'est pour ça qu'on dit sur cette terre, tout le monde est destiné à réussir. Seulement qu'il y a des gens qui prennent le temps pour réussir. Sauf que si quelqu'un consulte les êtres supérieurs du monde astral qui s'appelle le mécanisme. Et la plupart de ces gens, quand ils arrivent dans la famille, ils ont tendance à toujours... ils ont tendance à toujours faire ce qu'on appelle une discrimination indécente. Donc, une discrimination indécente, ça veut dire contraire à la décence, à la convenance, scandale. Donc, ça veut dire qu'ils ne croient pas de ce qu'on est en train de dire. Pour eux, c'est une discrimination indécente. Parce que quand dans une famille, on commence à accuser que oui, c'est elle qui a tué. Elle a tué telle personne, elle a donné telle personne, elle est une sorcière, elle donne les gens, c'est elle qui tue les jeunes dans ce quartier. À la fin, ces personnes-là qui pratiquent le mécanisme ont tendance à dire, de penser, eux, ils pensent que c'est la discrimination indécente. Et c'est quoi indécente? Indécente, c'est quoi? Contraire à la décence, à la convenance scandaleuse. Le synonyme de indécente, c'est quoi? Silencieux, impoli, impudique, incongru, inconvenant, incorrect, insolente, déplacée, grivoire. Parce que ces gens-là, dans les têtes, pour eux, pour nous, ça s'appelle indécent. Parce que c'est une discrimination indécente. Pour eux, c'est silencieux, c'est impoli, parce qu'ils savent que ce qu'ils ont fait, c'est ça. Impudique, parce qu'ils savent que ce qu'on dit, c'est vrai. Inconcru, parce que tout ce qu'on dit, c'est vrai. Inconvenance, parce que ce que on dit, c'est inconvenance. Incorrecte, insolente, parce qu'ils sont insolentes avec des gens qui font la discrimination avec eux. Ils sont inconvenance avec des gens qui font la discrimination avec eux. Ils sont impolis avec des gens qui font la discrimination par rapport à ce qu'on leur dit. Que vous êtes dans un secte, vous êtes dans un réunion, vous pratiquez pour tuer les gens. Ces gens sont indécentes parce que ils ont l'expression que c'est une discrimination alors que c'est une discrimination indécente. Ils sont impolis avec ces gens. Ils sont silencieux avec ces gens qui les accusent de pratiques, qui les accusent de faire des trucs sataniques pour réussir. Ils sont insolentes. Et pour finir, ils sont déplacés et grivois. Ceux, personne ne comprennent pas ce qu'il les arrive. En général, ces personnes-là,
quand ils font des choses, à la fin, ils ne comprennent pas ce qui les arrive parce que ces personnes-là chassent la noirceur dans leur esprit. Ces gens qui sont des pratiques, des gens qui tuent les gens pour réussir, à la fin, ils ont l'expression, ils mettent dans leur cerveau, ils ont l'expression de ne pas comprendre ce qui les arrive. Parce que ces gens-là arrivent à chasser la noirceur dans leur esprit. Ils arrivent à chasser ce truc satanique dans leur esprit pour faire croire. Pour eux, ils arrivent à chasser ça dans leurs esprits. C'est ce qu'on appelle ces gens-là. Des fois, quand on les accuse de tuer, on les accuse de pratiquer, quand on les accuse d'avoir peut-être donné les gens en sacrifice, ils ont l'expression de ne pas comprendre ce qui les arrive. Oui. En général, vous allez voir ça. Moi, je vous parle parce qu'il y a un sujet sur Facebook et en même temps, je vous donne l'enseignement de ce qui est arrivé pour vous faire comprendre que des fois, si on vous accuse de quelque chose, on dit il n'y a pas de fumée sans feu. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Il n'y a pas de fumée sans feu. Quand dans une famille, on accuse quelqu'un et que cette personne a l'expression d'être indécent, cette personne a l'expression d'avoir une discrimination, c'est pour ça que ces personnes, en général, ils ont souvent ces personnes en général qui font ce qu'on appelle le mécanisme. Ces personnes ne comprennent pas ce qui les arrive parce que ces personnes-là chassent les noisseurs dans leur esprit. Et souvent, sont convaincants que leur réussite vient de Dieu. Ils sont convaincants. Vous allez voir beaucoup. Vous allez voir, non, c'est Dieu. Ma réussite, c'est Dieu. Vous comprenez? Ils sont très... C'est pour ça qu'on vous fait comprendre. Moi, je vous donne l'enseignement parce que nous sommes dans un monde que c'est le mal qui domine. Il faut faire du bien pour qu'on avance. Vous comprenez ce que je veux dire? Sur ce monde, sur la terre, le mal... La terre est couverte du mal, mais c'est le bien qui nous fait avancer. La terre, le galaxie là, que vous voyez là, est couverte du mal. Mais c'est le bien qui nous fait avancer. C'est pour ça qu'on a l'expression que ces gens-là ne comprennent pas souvent ce qui les arrive, parce que dans leur esprit, ils ont chassé la noirceur. Feu! C'est celui qui a mis la tête. Donc, quand tu viens, tu mets la tête sur ma vidéo, il faut comprendre que le feu que tu vois sur le truc là, elle serait réel dans ton esprit. C'est pour ça que j'ai dit, quand quelque chose ne vous plaît pas, passez. Quand quelque chose ne vous plaît pas, passez. Parce que le feu que je mets là, quand tu viens et que tu parles mal, il faut savoir que ce feu que tu vois dans ce direct deviendra réel dans ton esprit de zombie. C'est une parenthèse. Voilà pourquoi ces gens qui pratiquent, qui font des mécanismes, ont tendance en souvent de ne pas comprendre ce qui les arrive parce que ces gens-là chassent la noirceur dans les esprits. Ils sont convaincants, ils sont très convaincants que leur réussite vient de Dieu pour mieux avancer dans la vie. Ils sont convaincants. Ils peuvent dire, et même, il y a même des gens, même ceux qui sont naïfs, peuvent dire, non, ça réussit, vient de Dieu, c'est Dieu qui l'a béni. Parce qu'ils sont convaincants. Parce que ces gens-là ont l'habitude de chasser la noirceur dans leur esprit. Et voilà pourquoi, quand ils ont ce réussi-là, ils mettent dans leur cerveau, ils sont convaincants que leur réussite vient de Dieu pour mieux avancer. Vous comprenez? Donc, pour mieux avancer dans leur vie, ils doivent être convaincants
Ils doivent être convaincants que c'est l'œuvre. Que c'est l'œuvre de Dieu. Que les réussis là, c'est l'œuvre de Dieu. Comme ça, dans les vies, que c'est l'œuvre de Dieu qui est dans les vies. Que tout ce qu'ils ont là, c'est l'œuvre de Dieu. Et maintenant, et après, maintenant, c'est quoi? Comme ça, dans la vie, ces personnes n'ont pas l'amertume envers Dieu. Ces personnes, comme ça, ils n'ont pas l'amertume envers Dieu. Parce que quand ils sont convaincants que ce qu'ils ont là, leur réussite là, c'est l'œuvre de Dieu, comme ça, pour eux, ils n'ont pas l'amertume vers Dieu. Parce que, en général, parce que le seul maître sur cette terre est le Dieu Israël. Ils savent déjà que tout ce qu'ils ont là, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Mais pour mieux avancer, pour mieux avoir la joie de vivre, avoir le sourire, ces gens-là sont convenus, ça c'est pas moi, sont convenus que l'œuvre vient de Dieu. Que l'air réussi là, c'est l'œuvre de Dieu. Pour mieux. Et ces personnes n'ont pas l'amertume avec Dieu. Comme ça, ils n'ont pas. Tu vois, je ne sais pas comment tu vois. C'est pour ça qu'ils ont envie de faire comprendre aux gens que ce que j'ai, c'est l'œuvre de Dieu. Et ils n'ont, comme ça, sans avoir l'amertume vers Dieu. Parce que, en général, ils savent que le seul maître sur cette terre, c'est le Dieu Israël. On va finir avec ça pour vous faire comprendre que je parle de ça pour faire sensibiliser en même temps la jeunesse, sensibiliser aussi certains sujets qui se passent sur Facebook, pour faire comprendre que dans la vie, il y a des choses qui peuvent se passer, il y a des sujets que les gens peuvent parler, et ça me permet aussi de faire ce qu'on appelle la sensibilisation. Ça me permet aussi d'aider mon peuple sur certains sujets que vous entendez et que moi j'ai une autre manière de l'enseignement pour vous expliquer ce que c'est. Que ce que vous voyez là, on appelle ça comme ça, le mécanisme, on appelle ce genre aussi, parce que vous pouvez être avec quelqu'un, il peut vous dire ce que j'ai, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que toute personne sur cette terre, nous sommes tous destinés à réussir, c'est ce que je voulais dire. Nous sommes tous destinés à réussir. Et ces gens-là, en général, pour ne pas avoir l'amertume, sans avoir l'amertume avec Dieu, qui est le seul maître sur terre, est le Dieu Israël. Quand vous consultez une autre maître d'un autre monde supérieur qui est en dehors de Dieu Israël, vous devenez amertume. Et c'est quoi l'amertume? C'est ressentiment causé par le regret. Donc, pour ne pas avoir le regret vers Dieu, ils sont convaincants que les offres, les réussites là, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est quoi l'amertume? L'amertume, c'est ressentiment causé par le regret ou déception saveur amère. C'est ça l'amertume. Pour ne pas avoir que Dieu les regarde, que Dieu soit dessus d'eux. Vous comprenez?
pour ne pas avoir le regret d'avoir tourné le dos à la réalité, à la vraie vie. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle l'amertume. Donc, c'est pour ça l'amertume. C'est quoi l'amertume? C'est ressentiment causé par le regret ou déception, saveur amère. L'amertume comme le café. Le synonyme de l'amertume, c'est quoi? C'est pour ça que vous allez voir ces gens, on se voit ce qu'on appelle dégradation, dégradation, découragement, indignement, indignation, souffrance, accablement, répugnance, humeur, laideur, sentiment, angoisse, délation, désespérance, dépression, colère, honte, contrariés, chagrin, méchanceté, condamnation, animosité, confusion, aigreur, mépris, ressentiment, abandon. Ces gens ont toujours l'expression qu'on les abandonne. Ils ont souvent les expressions qu'ils sont en colère. Ils ont aussi la honte. Et c'est pour ça qu'on appelle l'amertume. L'amertume, parce que quand ces gens-là font ce qu'on appelle le mécanisme, pour ne pas avoir honte, c'est pour ça qu'ils disent, ne pas avoir l'amertume envers Dieu. Et ils ont déjà l'amertume avec eux. Donc, quand ils sont l'amertume avec Dieu, ça veut dire quoi? Ils sont ce qu'on appelle la colère. Tout ce que je cite là, ces gens-là ont ça sur eux. Ils sont ce qu'on appelle la colère, la honte, le mépris, le ressentiment, l'abandon, angoisse, jalousie, nostalgie, fatigué, rancune, rage, difficulté, déplaisir, révolte, humiliation. Ils sont ce qu'on appelle dans humiliation. Ils sont ce qu'on appelle découragement, indignation, souffrance. Vous avez vu ça sur quelqu'un? Vous avez vu ça sur quelqu'un quelque part? Vous avez déjà vu ça sur quelqu'un qu'on accuse d'avoir fait des choses comme ça? À la fin, vous allez voir tous ces caractères-là sur ces gens-là. Tout ce que je cite là, vous allez voir ça sur ces gens-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils ont ce qu'on appelle le chagrin. Ils ont ce qu'on appelle contrarié, méchanceté, humeur, laideur, sentiment, angoissé, découragé, indignation, démoralisation, punition, dégradation. Il y en a tellement beaucoup. Il y en a tellement beaucoup. Ça, c'est des gens qui ont l'amertume sur eux. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas de la nature, que tu sais que ta réussite ne vient pas de la nature, tu as l'amertume en toi. Tu as l'amertume en toi. Tout ça là, c'est tellement énorme. Et vous allez voir ces gens, ils ont la difficulté, ils ont la jalousie, ils sont dans la nostalgie, ils sont ce qu'on appelle la fatigue, la rancune, la rage. Ils sont ce qu'on appelle la condamnation, la animosité, confusion, aigreur, désespérance, dépression, désalisation, humeur, laideur. Il y en a tellement beaucoup. Il y en a tellement beaucoup. Pour vous dire, nous, laissez la nature vous donner. Laissez la nature vous donner. Vous allez comprendre pourquoi je fais cette sensibilisation, parce que nous voyons
Facebook est un canal très dangereux. Et quand on est dans ce Facebook, c'est un canal très dangereux. En même temps, quand il y a des choses qui sont comme ça, il faut venir. Parce que la jeunesse qui est au Cameroun souffre beaucoup. La jeunesse camerounaise qui est dans la souffrance, dans la pauvreté, aime la route facile. Ils aiment ce qui est facile. Ils aiment avoir la réussite très vite. Mais sans savoir qu'il y a des conséquences à l'intérieur. Sans savoir que quelqu'un peut réussir en faisant ce qu'on appelle le mécanisme. Mais est convaincant que sa réussite est l'œuvre de Dieu. Parce que je sais quand je laisse ma vidéo sur Facebook, c'est pour vous, mes petites soeurs. C'est pour vous, mes petits frères, pour vous dire, vous pouvez avoir la réussite de quelqu'un que vous êtes en train d'envier et que cette personne vous dit, c'est l'œuvre de Dieu, que c'est l'œuvre de Dieu. Il faut comprendre, l'œuvre de Dieu, c'est parce que cette personne est convaincante. Cette personne chasse la noisseur qui est dans son esprit pour te faire comprendre que ce qu'il a, c'est l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi nous avons tendance à souvent être manipulés, à souvent être amenés dans les endroits que on est naïf, on ne sait pas. Je vais vous raconter une histoire. Je suis en France, je visite une dame. Moi, je suis quelqu'un de nature, je m'en fiche des marques. Je suis belle de nature, je n'ai pas besoin de porter les marques pour qu'on me voit. Ma beauté. Je suis comme le phénix. Je suis comme le phénix, donc ça veut dire je brille. Je suis comme le phénix. Donc, je n'ai pas besoin d'être quelque part. Même quand je suis avec les filles, ils ont tendance à croire que je pratique. Parce que les maris viennent vers moi. Et ce n'est pas la première fois. Je suis comme le phénix. Comment on appelle ça? Le phénix, je ne sais pas. Ils ont tendance à croire que je pratique. C'est parce que j'ai quelque chose à moi que vous n'avez pas. Qui fait que les gens sont attirés par moi. Et des fois, je peux parler avec un homme sans avoir les arrière-pensées. Mais la personne qui est à côté d'elle va toujours croire que non, je suis peut-être en train de séduire son mari alors que ce n'est pas ça. Mais parce que la personne, la femme, ne voit pas que je suis peut-être en train de parler naturellement avec son mari. Mais elle croit que je suis en train de séduire son mari alors que c'est peut-être son mari. Parle avec moi naturellement. C'est pour vous dire que il y a beaucoup de jeunes qui sont entraînés par certains gens. La plupart des gens sont souvent poussés par la gueule des Africaines, par la manière que les Africaines les parlent, les poussent à l'erreur. Moi, j'avais un groupe de femmes, tout le temps j'avais mon sac que j'avais peut-être acheté dans les magasins ici. J'arrive avec mon sac il coûte 50 euros. Mais parmi ces filles, ils ont des sacs de 1000 euros. Ils ont des sacs de 700 euros. Ils ont des sacs qui payent en 3 tranches après un prêtant. Il y a des gens qui peuvent payer des sacs à 1500 euros. Ils payent ça en plusieurs étapes. Vous comprenez? Il faut prendre une carte à prêtant pour avoir des sacs de marque. La dame, elle me fait comprendre que oui, Florian, toi, tu ne vois pas. Toi, tu es toujours comme ça, tu as que ton sac là, tu ne peux pas avoir un sac de marque. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai mis la croix. Quand elle m'a parlé comme ça, alors que moi, je n'avais même pas dans cet esprit de dire qu'il faut que je mette les sacs de marque comme les autres. Non, je n'avais même pas. Mais elle me fait une remarque qu'elle a vu que je n'avais pas un sac de marque. Si j'avais un esprit faible, je devais aussi me lancer. Aller chercher des sacs de marque pour que la prochaine fois que je suis avec eux, j'ai un sac de marque. Faites attention. Des fois, c'est les êtres humains qui poussent certains gens à faire des choses qui ne sont pas bonnes. C'est un exemple pour vous faire comprendre que moi, je suis avec eux, je suis à l'anniversaire, j'ai mon sac de 50 euros. C'est pas grave. Je suis belle. Elle peut avoir son sac de 1000 euros, mais elle ne va pas briller comme moi. Elle n'aura pas ma beauté. Mais elle aura peut-être son sac de 1000 euros. Mais cette femme me fait comprendre que chaque fois, tout le monde a des grands sacs de marque. Toi, tu n'as pas de sac de marque. Ça m'avait blessée. Alors que cette femme, je prenais souvent ma voiture pour aller passer l'aspirateur chez elle. Parce qu'elle était aveugle. Elle avait des problèmes.
Je quittais chez moi, je prenais l'aspirateur, je mettais dans ma voiture pour aller nettoyer le chez-elle. Mais tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a pu voir sur moi, que je ne mets pas de marques. Mais elle n'a pas vu le bienfait que je fais chez elle. Ceux qui portent les marques là ne venaient pas passer l'aspirateur chez elle. Ils venaient juste pour se la péter, peut-être pour se la faire voir. Parce que même étant aveugle, cette femme aimait les marques. Elle aimait toujours les marques. C'est une manière de dire que c'est un champ qui peut pousser des êtres humains à faire des erreurs. Moi, je sais ce qu'on appelle mes faveurs. Nous sommes dans le changement du Cameroun. Nous voulons que le Cameroun change. Nous voulons que le Cameroun ait un autre mental. Quand je dis je donne mes faveurs pour le Cameroun, je donne ce que j'ai pour le Cameroun. Le Cameroun, c'est mon privilège. Quand je dis le Cameroun, c'est mon privilège, ça veut dire tout le peuple camerounais. Quand je dis le peuple camerounais, la jeunesse camerounaise. Quand vous êtes sur Facebook, Facebook, c'est un canal qui détruit la jeunesse camerounaise. Oui. Facebook, c'est un canal. Vous allez dire pourquoi? Je n'avais jamais fait de direct avant parce que je ne voulais pas dire qui je suis. Je ne voulais pas me montrer. Mais il y a certains gens qui savaient que j'étais comme ça. Je ne voulais pas m'exposer. Mais à un moment dans la vie, quand on voit un peuple qui souffre et qu'on est dans le changement, on est obligé de se lancer à fond, avec corps, âme, esprit. Au début, tu te retiens un peu. Tu dis, tu veux changer le Cameroun. Tu veux que le Cameroun, ça change. Tu laisses les autres faire. Mais à un moment, tu te dis, non, c'est bon. Je veux que mon peuple change. Je veux que le Cameroun change. Et tu es obligé de te donner corps, âme, esprit. Et quand tu donnes corps, âme, esprit, tu t'exposes nu. Et là, les gens voient qui tu es. C'est ce que je suis devenue. Mes faveurs. Mes faveurs sur Facebook. Je me suis donné un corps, âme, esprit. Donc je m'expose tout nu. Ce que j'avais précieuse dans ma vie. Je l'expose. Mais les gens ne savent pas que je suis comme ça. Mais ceux qui me connaissent savent que je suis comme ça. Donc ça veut dire que je m'expose nu pour sauver mon peuple. Même si ça me détruit. Si je vais sauver tout le peuple camerounais, ce que j'ai donné. C'est pour ça que dans la vie, évitez un peu de faire souvent certaines choses. Nous avons le Cameroun. Le Cameroun est dans une souffrance. Et maintenant, ça, c'est la sensibilisation de faire retenir les esprits frais, de les freiner, de les ralentir, de ne pas courir vite, de ne pas réussir vite. Parce qu'il y a la pauvreté au Cameroun, parce que ce régime est en train de détruire le Cameroun. Et en détruisant le Cameroun, il détruit la jeunesse qui sont faibles et qui vont courir vite pour faire ce qu'on appelle le mécanisme, qui vont faire ce qu'on appelle consultation. Ça, c'est notre devoir. Parce que si on a un Cameroun qui donne de l'eau à tout le monde, qui fait que les gens peuvent réussir par compétence, les gens peuvent aller à l'école par les compétences, on ne va pas venir faire ceci de direct. Mais quand on voit le Cameroun qui souffre, on voit que le Cameroun est devenu ce qu'on appelle consultation. Ça veut dire le mécanisme est en train de gérer le Cameroun. Le mécanisme fait partie du cercle. À l'instant que nous sommes en train de parler, c'est ça qui est le cercle. C'est ça qui fait que la jeunesse camerounaise ne veut pas sortir pour le changement. Parce qu'ils cherchent ce qu'est le mécanisme. Là, ils vont aller la réussir vite parce que c'est devenu comme le marché, c'est devenu comme le riz qu'on vend au marché. À l'époque, ce n'était pas comme ça le Cameroun. Il fallait être vraiment quelqu'un pour aller là-bas. Maintenant, les gens cherchent le mécanisme conscient. Ils savent que là où je m'en vais là, je vais donner mon âme, je vais donner mon esprit, mais l'essentiel, que j'ai de l'argent. À l'époque, ce n'était pas comme ça. Les gens pratiquaient. Pas innocent. Les gens entrent dans les sectes, dans les réunions, pas innocent. Maintenant, le Cameroun, avec la pauvreté, avec ce régime qui ne veut pas quitter le pouvoir, est en train de nuire nos enfants, est en train de nuire la jeunesse camerounaise, et on va se retrouver dans un pays
de tous les enfants, de toute jeunesse, d'esprit perdu. Voilà pourquoi pas comme tout. Pas comme tout. Pas comme tout. Il est temps que vous passez à l'action. Pas comme tout. Le peuple camerounais est dans ce qu'on appelle le dégrément. Le dégrément. Pas comme tout. Sauvez le peuple camerounais. Le peuple camerounais a besoin de vous. S'il vous plaît, pas comme tout. Je sais que vous travaillez, vous vous préparez, mais pas comme tout. Mais la vitesse de ce que vous êtes en train de faire pour sauver le peuple camerounais, mais la vitesse, parce que pour l'instant, pas comme tout. Le peuple camerounais est perdu complètement. Le peuple camerounais est ce qu'on appelle le dégrement. Le quoi? Le dégrement. Est-ce que le peuple camerounais est en train de être ce qu'on appelle un bateau qui est dans une mer, qui a le vent, qui circule, tout ça, pas comme tout. Je sais que vous êtes en train de préparer, vous êtes en train de travailler et tout. Pas comme tout. Je veux seulement vous mettre la pression. Je veux juste vous mettre la pression. La pression, pas comme tout. S'il vous plaît, le président élu Maurice Kamto, je vous mets la pression parce que nous ne voulons pas perdre nos petits frères, nos enfants, nous ne voulons pas perdre les enfants de l'avenir à cause de ce régime qui ne veut pas bouger, qui sont assis comme si on les avait collés avec le super glue, elle tout dit. Le peuple camerounais, si vous n'êtes pas là, pas comme tout, je crois que c'est votre destin d'être au Cameroun. Si vous êtes venu au Cameroun pour changer tout ça, je suis là pour vous mettre la pression. De passer à l'acte. Je suis là pour vous mettre la pression, pas comme tout, de passer à l'acte. Ce qui est l'action. Pas comme tout, sauve la jeunesse. Sauve ce jeune qui est l'avenir que vous êtes venu depuis 2 ans pour faire votre travail qui est par étape. Nous avons vraiment, vraiment, vraiment besoin de vous. Le père spirituel du Cameroun. L'homme de toutes les valeurs. L'homme vertueux. L'homme le plus courageux. L'homme qui ne dort pas. L'homme qui a l'insomnie pour le Cameroun. Nous avons besoin de vous. Nous avons vraiment l'homme qui ne dort pas, qui a l'insomnie pour le Cameroun. L'homme qui manque d'appétit. L'homme qui a perdu l'appétit pour le Cameroun. L'homme le plus courageux. L'homme le plus distingué. L'homme. Maman, les idées là viennent seules. Hein? Papa, j'entends seulement. On me dit seulement, je dis aussi. L'homme le plus. L'homme le plus applaudi. L'homme le plus amour. Viens, nous avons besoin de vous. Il faut que vous passez à l'acte. Vraiment, le président élu. Mais on dirait aujourd'hui, c'était pour vous. C'était que vous venez sauver le peuple camerounais et que vous passez à l'acte. Je veux vous mettre la pression, une pression énorme, que vous passez à l'acte. J'ai envie de d'ici la douceur qui est en vous, le président élu Maurice Kamto. J'ai envie de d'ici la douceur. J'ai envie que vous quittez du bon pour être mauvais. J'ai envie de vous rendre mauvais quelques secondes dans votre vie. J'ai juste envie de vous rendre mauvais.
mauvais quelques secondes. Même pas minutes. Ça veut dire que vous êtes mauvais juste quelques secondes. Et après, vous devenez bon. Parce que vous êtes tellement bon. Donc, c'est juste de vous rendre mauvais quelques secondes. Pour que vous passez à l'acte, je veux vous mettre la pression. Le président Élu Maurice Kamto. Je veux que vous passez à l'acte et que vous sauvez le Cameroun dans l'agrément. Là. Ils sont en train de nager dans ce qu'on appelle... dans ce qu'on appelle le dégrément. S'il vous plaît, le président Élu. Je vais laisser ce message. Je sais que vous regardez tous les directs. Et fais confiance. Fais confiance à votre adversaire qui veut vous aider. Fais confiance à votre adversaire. Ne doutez pas de lui. Ne doutez pas de lui. De celui qui est votre adversaire, qui est l'appui, qui veut changer le Cameroun. C'est un adversaire. En même temps, c'est quelqu'un de confiance. Fais confiance à cette personne, le président élu, Maurice Kamto. Cet adversaire que vous l'avez, cet adversaire que vous avez conclu un marché, fais confiance en lui. Fais confiance à cet adversaire que vous avez conclu un marché. Fais confiance à cette personne. Lui aussi, ce qu'il veut aussi, c'est de sortir dans ce qu'on appelle le dégrement du Cameroun. Ce monsieur aussi en a marre de ce qui arrive sur la terre camerounaise. Donc, le président Élu Maurice Kamto, passez à l'action. Passez à l'acte. Je veux juste vous mettre la pression de passer à l'acte. Merci. Et je vais dire au revoir à tous ces gens qui sont là pour vous dire, c'était le direct aujourd'hui, c'était pour le président Élu Maurice Kamto. D'accord? Donc, je veux vous dire de, merci à tous ces gens qui étaient là. Merci à tous ces gens qui m'ont écouté. Merci beaucoup. Bisous, ciao. Depuis qu'ils ont découvert Brico Pro, il y en a pour elle. Et que je te rappelle. Merci, ciao. Que je te calise.